Salut, je m'appelle Yvon Brochu, je suis l'auteur de la série Galoche et je viens de publier le 15e roman de Galoche. Alors, mais comme tu sais, Galoche, en fait, c'est lui qui écrit les romans. Alors moi, en fait, je ne suis que le scribe. Le scribe voulant dire quelqu'un qui ne fait que retranscrire un peu, j'écoute ce que Galoche me dit et je l'écris. Alors donc, et dans ce 15e roman, je pense que Galoche est plus fou que jamais. Et il y a quand même deux histoires qui s'imbriquent l'une dans l'autre, un peu comme des mini-briques. Alors, je vais te parler rapidement des deux histoires. Alors, dans la première histoire, ce qui se passe, c'est qu'Émilie, avec son petit chum Pierre-Luc, il faut dire que Fabien, le père d'Émilie, est à l'hôpital. Et Émilie se dit que le plus beau cadeau à y faire à Fabien, c'est d'amener Galoche à l'hôpital. En fait, mais comme tu sais, les chiens ne sont pas amenés dans les hôpitaux. Alors, Émilie Pierre-Luc décide de jouer un tour et de même pas le dire à sa mère, Marie-Lou, celle évidemment qui aime très peu Galoche, qui n'aime pas les chiens. Et finalement, ils vont mettre Galoche dans une boîte. Ils vont demander à Galoche de se rouler en boule, le plus petit possible. Ils vont le mettre dans une boîte avec quelques trous pour qu'il puisse respirer. Et évidemment, ils vont l'envelopper avec une belle boucle, etc. Et là commencent toutes les péripéties. Il s'en va à l'hôpital. Et je te raconte pas tout, mais disons qu'il y a un moment où, à l'hôpital, il voit venir un gardien. Et là, Émilie panique. Elle met Galoche rapidement dans un endroit qui est éclairé légèrement. Et finalement, il se retourne, le gardien s'en vient. Et là, il entend deux portes se refermer derrière. Ils ont mis Galoche dans un ascenseur. Et ça monte. Galoche est tout seul dans l'ascenseur. Il monte. Mais en plus, c'est que c'est l'ascenseur du bloc opératoire où ils font des opérations dans l'hôpital. Alors, laisse-moi dire qu'il arrive plein de choses à Galoche. Alors, c'est la première histoire. Alors, la deuxième histoire, qui est en parallèle, en fait, qui se passe en parallèle, c'est que notre ami Galoche découvre, à un moment donné, Émilie arrive toujours très tard le soir depuis un bout de temps. Alors, il va aller dans la fenêtre, il va s'étirer le cou le plus possible, et au coin de la rue, il va la voir, qui entre toujours dans une certaine maison, une maison au coin de la rue où il sait qu'il y a un garçon, un jeune garçon assez gros et grand. Et là, Galoche commence à croire que Émilie s'est fait un nouveau chum, sans le dire à Pierre-Luc. Et comme Galoche aime bien Pierre-Luc, il n'est pas capable d'admettre ça. Et là, il va faire une enquête, il va même s'évader de la maison, et là, il va avoir toute une aventure avec ça. Et cette aventure-là va se terminer, finalement, lors d'une fête, parce que Fabien revient de l'hôpital, il fait une petite fête à la maison, et tout ça, quand je te disais, ça s'imbrique les deux histoires, mais ça s'imbrique surtout à la toute fin, avec la fête. Et là, Émilie amène son nouveau chum, pense Galoche, Pierre-Luc est là, et lui pense que ça va être la catastrophe. Mais, comme d'habitude, avec Galoche, les catastrophes, c'est toujours très rigolo, très fou. Alors, il va se passer quelque chose d'assez spécial. Alors, voilà, ça, c'est les deux histoires que tu vas trouver avec un Galoche plus fou que jamais dans leur 15e roman. Et je pense que, dans le fond, lire le 15e roman, pour toi, ça va être tout un cadeau. Alors, bonne lecture.